Bonsoir, cher public. Merci pour votre présence et merci à Jean-Marc Balanci, que nombre d'entre nous connaissent bien. Il est un habitué et un ami du CML. Il a accepté avec infiniment de gentillesse et de simplicité de nous faire une conférence aux débeautés, si je puis dire. Jean Garrigue faisant partie de ces hommes pour qui les engagements n'engagent rien. Tant pis pour lui, tant mieux pour nous, car la qualité des analyses de Jean-Marc est telle sur la question des relations internationales que l'entendre aujourd'hui devrait participer au renouvellement en profondeur de notre perception du monde contemporain. Son parcours d'abord. Il commence de manière classique par une thèse de doctorat en sciences politiques, plusieurs fois récompensée, et cela augurait bien d'une belle carrière qui ne s'installera pas dans des pantoufles. Carrière originale donc, comme analyste au sein des affaires internationales et stratégiques, au secrétariat de la Défense pendant 10 ans, si je ne me trompe pas. Pour l'essentiel, il suivra les conflits internes, que l'on dit mineurs, de l'après-guerre froide, qui n'étaient pas forcément en pleine lumière. Il regardera donc l'obscur de notre planète. Il s'intéressera de très près au conflit du continent noir, dont il est un grand spécialiste, sans oublier pour autant l'évolution des menaces terroristes. Il travaillera également en renfort du comité interministériel de renseignement. Il publie en collaboration avec Arnaud de Lagrange un ouvrage intitulé « Monde rebelle », plusieurs fois réédité, et outils particulièrement précieux, et un essai intitulé « Guerre bâtarde ». Il se révèle être un spectateur engagé, pour reprendre ses mots. Après 10 ans au service de la République, il rejoint un cabinet privé de gestion du risque à l'international et restera pendant plus de 15 ans. Puis il monte une structure nommée Attica Analysis et se consacre de plus en plus à des travaux de prospective, d'où le titre de sa conférence « Incursion fugace dans le futur proche ». Quels enjeux, quels défis, quels espoirs à l'horizon 2035. Alors si la première partie du titre a un petit air de science-fiction, la deuxième partie nous invite à penser le futur, à construire des stratégies pour un futur dont nous voyons les prémices en ce moment et que nous ne devrions pas aborder comme des bateaux ivres ou des bateaux fantômes. Merci, Marie-Paul. Merci. Un grand plaisir pour moi de revenir en quatrième semaine devant vous, après une précédente intervention il y a 18 mois, sur un sujet relativement équivalent, mais qui cette fois-ci donnera lieu quand même à un certain nombre d'évolutions, puisqu'en 18 mois, il s'est passé pas mal de choses permettant de tracer un peu, de traquer quelques indices faibles susceptibles de donner lieu à des tendances lourdes qui vont préfigurer notre futur à échéance de 10 ou 15 ans. Je voulais également, à cette occasion, faire en sorte de considérer que le futur ne se dessine pas uniquement dans la Silicon Valley, à Shanghai, à Mumbai, à Dubaï, à Paris, à Moscou ou ailleurs, mais éventuellement certains éléments de ce futur peuvent s'observer d'ores et déjà au coin de la rue, entre guillemets, en bas de chez vous, c'est-à-dire dans la métropole toulonnaise, et j'essaierai comme fil rouge, au-delà d'un certain nombre de concepts que je vais manier, essayer de raccorder avec une certaine réalité. Donc au cours de cette petite heure d'intervention, on croisera des loups, des sangliers, le bathyscaphe, des oreilles d'or, la bière de la rade, des amapes et des choses comme ça. Enfin, vous verrez, j'essaierai de me raccrocher à une certaine réalité, surtout à une capacité d'innovation de l'agglomération toulonnaise, même si quelquefois j'irai empiéter chez les voisins marseillais et j'évoquerai certains événements susceptibles de se produire dans la région Provence-Côte d'Azur. Voilà. Alors, ce futur qui se profile à échéance d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années, il va être complexe, bien entendu. On va sans doute être confronté à des menaces générées par l'armée russe, qui est relativement d'actualité, et éventuellement par
des réseaux d'influence chinois hostiles, par des intelligences artificielles mal régulées, par des GAFAM extrêmement envahissants, par des médias pouvant générer des deepfakes et chercher à manipuler les cerveaux ou des choses comme ça. Mais néanmoins, ce futur, donc, on peut le considérer comme volatile, comme incertain, comme complexe, comme ambigu, donc ça donne un acronyme qui s'appelle VICA, mais on aurait pu trouver d'autres adjectifs et générer d'autres acronymes. Mais c'était pour marquer un peu ce monde. Il va être le résultat de la combinaison, de l'intrication, de l'interaction de quatre grandes dimensions structurantes. La toute première, c'est le dépassement des limites planétaires et océaniques. N'oublions pas que notre planète, elle est bleue et qu'à plus de 72%, elle est couverte d'océans et que beaucoup de choses qui se produisent au niveau climatique, on a une vision très terrienne, très continentale des choses, n'oublions pas cette dimension océanique. Donc le dépassement des limites planétaires, qui est une toute première dans l'histoire de l'humanité telle qu'elle fonctionne depuis plusieurs dizaines de milliers d'années, et qui va être un facteur très limitatif concernant d'autres évolutions plus traditionnelles. La deuxième dimension, c'est l'émergence de nouveaux équilibres démographiques. Donc par rapport à mon intervention, pour ceux qui étaient là il y a 18 mois, il y a pas eu énormément de changements sur cette dimension-là en 18 mois. Le troisième point, ce sont les effets disruptifs de toute une série de transformations qu'on pourrait appeler techno-énergétiques liées à la nécessaire décarbonation, à l'électrification de l'économie, mais également à beaucoup d'autres domaines liés à l'intelligence artificielle, à l'informatique quantique, à la fusion nucléaire, à beaucoup de révolutions technologiques qui risquent de se concentrer sur la période 2030 et 2035, qui vont se concrétiser, qui vont vraiment rentrer dans la vie quotidienne de beaucoup de monde et qui vont sans doute changer très significativement notre façon de vivre, avec, comme toujours au niveau des technologies, des points extrêmement positifs et des points relativement négatifs, voire inquiétants. Et la dernière dimension, donc, qui est beaucoup plus traditionnelle, mais qui va être limitée et formatée par les trois précédentes, c'est la persistance d'une forte instabilité géopolitique, avec évidemment les zones traditionnelles que sont ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Europe de l'Est ou dans le monde russe, au niveau de l'évolution de la construction européenne et globalement sur tous les continents et sur toutes les mers de notre bonne planète. Voilà, donc je vous propose de démarrer tout de suite avec un premier point concernant le dépassement des limites planétaires, avec une réflexion sur ce qu'on pourrait appeler la grande accélération qui s'est produite depuis, grosso modo, le début de la révolution industrielle dans les années 1850 et qui n'a cessé de s'amplifier. Surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et ce qu'on a appelé en Europe les 30 glorieuses, qui a donné lieu à une accélération phénoménale de l'exploitation des ressources naturelles de la planète, avec une corrélation qui est un peu criante, comme on va le voir sur les schémas qui suivent, avec une forte corrélation concernant l'impact négatif que cela va avoir sur notre planète. Donc ces deux schémas donc sont assez illustratifs, comme vous pouvez le voir, de l'espèce de boom de la croissance extrêmement forte qu'a connu nos sociétés au début des années 50 jusqu'à aujourd'hui, avec un décollage spectaculaire au niveau de la population, au niveau du PIB, au niveau de la consommation de plein de produits, et avec comme corollaire, également une envolée des effets négatifs sur ce qu'on peut appeler le système Terre, c'est-à-dire les différentes sphères qui permettent à notre planète d'être habitable, que ce soit au niveau des sols, au niveau des ressources en eau, au niveau de l'atmosphère et d'un certain nombre d'autres éléments. Donc on a, comme on peut le voir, donc une grande accélération qui est
comparer, enfin, qui donne lieu à une trace humaine qui est observable au niveau des temps géologiques et qui a donné lieu à la notion d'anthropocène qui a été formulée par un chimiste néerlandais au début des années 2000 et qui a été structurée dans un article qu'il a publié dans la revue Nature qui s'appelle Geology of Mankind, la géologie de l'humanité, ce qui fait que si notre civilisation disparaissait actuellement du fait de l'impact extrêmement fort sur le système Terre de notre consommation, de notre surproduction, de notre surconsommation de produits divers et variés, des archéologues du futur pourraient trouver des traces qui seraient donc une concentration de gaz à effet de serre dans les sédiments, en particulier de CO2. Ça pourrait être également des concentrations fortes d'éléments de plastique qu'on pourrait retrouver avec une très grande densité dans ces sédiments. On pourrait trouver également des éléments radioactifs générés par les dizaines d'explosions nucléaires atmosphériques qui ont eu lieu depuis 1945, les explosions d'Hiroshima et de Nagasaki, mais également les dizaines d'explosions entre guillemets expérimentales qui ont été, auxquelles ont procédé les cinq puissances nucléaires en Nevada, en Australie, en Asie centrale, en Sibérie, en Algérie pour la France et ensuite en Polynésie. Tout ça laisse des éléments radioactifs qui seraient donc identifiables par des archéologues. D'autres scientifiques estiment qu'on pourrait également trouver cette présence humaine sous forme de traces de béton du fait de l'urbanisation assez importante de nos sociétés. Et d'autres scientifiques estiment également qu'on pourrait trouver des traces de la présence humaine sous forme de concentration d'os de poulet, symbolique de l'ampleur de l'industrie agroalimentaire et de la surconsommation de volailles au cours des dernières décennies par certaines marques américaines en particulier. Ce qui fait qu'à côté de la notion d'anthropocène, c'est-à-dire la responsabilité de l'être humain dans la détérioration du système Terre au cours des 3 ou 4 dernières décennies, d'autres évoquent le concept soit de capitaléocène en faisant peser la responsabilité de cette dégradation au système capitaliste productif, d'autres parlent de corporocène pour inciter à la responsabilité des sociétés multinationales, étant donné que dans cette dégradation du système Terre, une entreprise comme Total, par exemple, a un peu plus de responsabilité qu'un agriculteur du Bangladesh actuellement. Et d'autres, enfin, évoquent la notion de poubellocène. Je pense en particulier aux travaux de sociologue Baptiste Mont-Saint-Jean, qui évoque la notion, à côté de l'homo economicus, de l'homo numericus, de l'homo detritus, du fait de l'ampleur des déchets générés par les sociétés humaines depuis une trentaine, une quarantaine d'années. Ce qui fait que l'histoire de notre société au cours des 3 ou 4 dernières décennies peut se résumer à une ponction des ressources naturelles de notre planète de manière exponentielle pour la production de produits satisfaisant nos besoins en mobilité, en alimentation, en habillement, en tout ce que vous voulez, et la production de déchets qui s'accumulent, sachant que ces déchets, une toute petite partie est recyclable actuellement. Ce qui signifie donc que nous sommes sur une tendance un petit peu schizophrénique, étant donné que les ressources de la planète sont en train de s'épuiser à grande vitesse, et sans que l'on puisse les renouveler suffisamment. Ce qui interroge donc sur la pérennité de notre système actuel. Ces phénomènes donc d'accélération de notre consommation par rapport au détriment, disons, du système Terre, donc a généré un certain nombre de symptômes. Bon, le plus connu, évidemment, c'est le changement climatique. Mais il n'y a pas que le changement climatique, il ne faudrait pas s'arrêter à cela. On en trouve malheureusement beaucoup d'autres. Donc je n'insiste pas sur ces notions de changement climatique. Vous avez déjà dû en entendre parler, on en parle beaucoup dans les médias. Mais au-delà, vous avez d'autres phénomènes comme l'effondrement de la biodiversité, dont on ne parle pas vraiment pas et qui est également extrêmement catastrophique. Vous avez tous dû entendre parler de la COP, la dernière COP qui s'est passée à Dubaï. Est-ce que vous savez qu'il devrait y avoir une autre COP réservée à la diversité, à la biodiversité cette année? Quelqu'un a une idée de quand est-ce qu'elle aura lieu et où est-ce qu'elle va se produire? Je pense que non. Donc c'est en Colombie à la fin de l'année. Ça, on n'en parle quasiment pas. À côté de l'effondrement de la biodiversité, il y a également d'autres facteurs un peu inquiétants concernant, par exemple, la crise de l'eau, des océans, j'y reviendrai rapidement, mais également des ressources en eau douce qui sont assez problématiques. Et là,
Les problèmes, ils sont de différents niveaux. C'est évidemment l'eau pour notre alimentation et pour assurer, pour couvrir nos besoins en boissons, notre alimentation. Également, dans beaucoup de processus industriels, il y a besoin d'énormément d'eau. Et là aussi, il y a une espèce de goulot d'étranglement qui se profile. Comme vous le savez, l'île de Taïwan est connue, entre autres choses, par la qualité de ses puces électroniques qui sont vendues un peu partout dans l'économie globalisée, qui est un enjeu géopolitique majeur, étant donné que les États-Unis sont très suspicieux à ce sujet et refusent que les Taïwanais vendent leurs meilleures puces aux Chinois dans le cadre d'une compétition technologique sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard. Et un des gros problèmes qui se pose à Taïwan, c'est sans doute la menace d'une invasion chinoise, mais dans ce secteur de production des puces, où les Taïwanais sont vraiment en avance, ils ont une limitation physique, c'est que pour produire ces puces, ils ont besoin de très grandes quantités d'eau, et que la situation des ressources hydriques à Taïwan est telle qu'à l'avenir, ils vont être confrontés à de gros problèmes pour pouvoir continuer à assurer la croissance régulière de leur secteur technologique, dans le secteur des puces, du fait de réserves d'eau relativement limitées. Alors, ils pourront peut-être construire des usines de dessalement pour y faire face, mais c'est un facteur de limitation qui va se poser et qui, par effet de boule de neige, peut avoir des répercussions sur toute l'économie mondiale, y compris donc aux États-Unis ou en Europe, du fait de ce facteur de blocage. Un autre point également illustratif de cette grande accélération impactant négativement le système Terre, c'est l'accumulation dans l'environnement d'éléments polluants, cancérigènes et autres, du fait de la pollution industrielle, de la plastification croissante de l'environnement, la diffusion de nanoparticules toxiques et de choses comme ça, et des perturbateurs endocriniens. Comme vous le voyez là, au niveau purement du changement climatique, on a déjà franchi, ou on est en passe de franchir un certain nombre de seuils avec des effets cliqués, ce qui signifie qu'une fois qu'on a dépassé un certain point, il sera extrêmement difficile, voire impossible, de revenir en arrière. Donc il y a une notion d'irréversibilité conduisant donc à la détérioration du système Terre, avec donc un impératif qui est celui des accords de Paris, qui serait de maintenir le réchauffement climatique sous le seuil des 1,5% d'ici 2050, ce qui est une tendance sur laquelle on n'est pas du tout actuellement, et il faut se préparer à faire face sans doute à un réchauffement de température de plus 4 degrés. Alors ce n'est pas le responsable d'une secte écologiste vivant dans son petit pied au fin fond de la Lozère qui le dit, c'est Christophe Béchu, le ministre de la transition écologique de l'actuel gouvernement. Donc il y a quand même malheureusement de fortes chances qu'on soit plutôt sur ces fourchettes hautes de changement. Et ces changements donc vont être drastiques et sans doute irréversibles, avec des conséquences assez compliquées à gérer. Donc là vous voyez sur ce schéma l'évolution un peu des seuils de basculement climatique qui se profilent en fonction de l'ampleur du réchauffement climatique, sachant qu'il est impératif de ne pas dépasser les 2 degrés. Donc, les océans, le rôle des océans, donc, il convient d'insister dessus, c'est 72% de la superficie de notre planète, et avec un rôle de thermorégulation extrêmement important qui, du fait des atteintes liées à la grande accélération contre le système Terre et le système océanique, donc, risque d'être dérégulé avec un effet d'emballement problématique. On insistera sur le fait que les océans sont également générateurs d'une grande richesse dans tous les domaines alimentaires et autres, et que donc il convient d'être extrêmement vigilant à leur préservation. Actuellement, il y a un bras de fer très important qui est en train de se produire au niveau des Nations Unies concernant la potentielle autorisation de l'extraction minière dans les hauts fonds marins, qui serait une véritable dévastation écologique de nombreux systèmes. Un certain nombre d'entreprises ou de pays poussent, d'autres résistent, dont notre pays qui essaie là de faire un gros effort diplomatique pour empêcher certains pays comme la Norvège par exemple de s'engager dans cette voie-là, qui là aussi risque de générer des phénomènes qui seront le franchissement de seuils et de seuils irréversibles. Voilà.
Ceci dit, donc, on arrive, il faut avoir une vision, ne pas se contenter uniquement de cette notion de changement climatique, mais penser vraiment le phénomène dans sa globalité, sachant qu'il y a différents autres phénomènes que le phénomène climatique, et on arrive donc tout droit à un dépassement des limites planétaires. Alors là, je vous ai mis la situation actuelle, donc sur le schéma de droite pour vous. C'est le schéma en l'état, donc il date de 2023. Ce sont des chercheurs suédois qui sont spécialisés là-dedans, et chaque année, l'université de Stockholm produit un nouveau rapport. Donc là, c'est l'état de la situation actuellement. Pour les gens qui ne maîtrisent pas l'anglais, j'ai mis un ancien schéma qui doit dater de 2019-2020 avec les rubriques en français pour que vous ayez un peu une idée. Donc des changements, des dépassements de seuil, on en est à plus de 7 sur 9 qui ont été enregistrés, et il y a un côté un peu inexorable. Et comme vous pouvez le voir sur la diapo suivante, c'est un phénomène qui est extrêmement rapide. Vous voyez la situation en 2009. Il n'y en a que 3 qui ont été dépassés de seuil en 2015, et là en 2023 il y en a 6, et pratiquement tous sont au taquet, et ceux qui n'ont pas encore été dépassés sont très proches du seuil de dépassement. Donc la situation est un peu compliquée, ce qui fait que, à la lumière de ces événements, de cette situation, donc, qui est renseigné de manière académique et pointue, mais, hein, par les chercheurs. Mais en l'occurrence, donc, c'est l'université de Stockholm qui produit ce genre de travaux. Il y a un côté inéluctable qui fait que le système actuel n'est, selon toute vraisemblance, pas durable, et que la machine va se gripper et va s'arrêter un moment ou un autre. Oui, concernant par exemple l'empreinte d'eau, un petit schéma pour vous montrer les grandes diversités d'utilisation des ressources en eau, entre un ressortissant du Congo qui utilise à peu près 1500 litres, ou un Américain qui a près de 8000 litres d'eau. Il y a donc un gros effort d'adaptation à faire. À ce titre, donc, je voudrais un peu reconnecter ces éléments un peu dramatiques par rapport à la réalité locale, sachant que le rapport du GIEC de l'été 2021 donc, évoquait la situation dans le bassin méditerranéen. Donc il y avait une lecture assez intéressante, mais c'était le bassin méditerranéen, à la fois rive nord et rive sud. Et on a la chance d'avoir des travaux encore un peu plus précis sur la situation sur la rive nord, du fait d'un groupe qui s'appelle le Mediterranean Expert on Climate and Environmental Change, le MEDEC, qui est basé à Marseille et qui publie régulièrement des rapports sur la situation environnementale, la dégradation du système terre au niveau méditerranéen depuis Marseille, et ça sera sans doute peut-être, il y a sans doute des auteurs intéressants à faire venir dans le cadre des futures planifications l'année prochaine. Donc les travaux du GIEC et du MEDEC indiquent que le changement climatique en zone méditerranéenne va être un des plus radicaux, enfin l'impact sera un des plus radicaux au monde. Marqué donc par une série de vagues de chaleur auxquelles on a déjà été confrontés, des canicules de ces derniers mois évidemment, qui pourraient monter éventuellement dans la zone jusqu'à plus de 5 degrés d'ici la fin du 21e siècle. On a déjà observé des vagues de chaleur assez conséquentes ces derniers étés, en particulier en Sicile où on approchait les 50 degrés, enfin c'était 48,8 je crois, température record dans certaines localités de Sicile ces deux dernières années. Donc les vagues de chaleur augmentent en raison du changement climatique. Ces vagues de chaleur s'accompagnent évidemment logiquement d'une baisse des précipitations qui varie assez fortement entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, avec un climat qui est extrêmement impulsif, avec des périodes de sécheresse relativement longues et des précipitations qui peuvent être diluviennes et concentrées sur une très courte période de quelques heures. Avec donc, souvenons-nous du drame qui a frappé la Londe, les morts il y a 3 ou 4 ans, me semble-t-il, avec plusieurs morts à la clé. Donc ça n'arrive pas que dans les Cévennes ou dans les Alpes-Maritimes, ça peut arriver près de chez nous. Les besoins en eau du département du Var sont
estimée à 260 millions de mètres cubes par an, essentiellement pour des besoins agricoles et des besoins d'alimentation des populations. Le Conseil général a entrepris un travail prospectif relativement intéressant pour essayer d'optimiser les ressources. Alors, dans le cas de notre région, on a la chance de bénéficier d'un travail prospectif, opérationnel, fort efficient, qui a été la construction du canal de Provence dans les années fin des années 50, début des années 60, pour acheminer les eaux de la Durance et du Verdon dans une bonne partie du département, ce qui fait que par rapport à d'autres régions de l'arc méditerranéen en France, le département du Var est moins impacté actuellement que d'autres. Je pense à la situation qui prévaut dans les Pyrénées-Orientales, qui est vraiment absolument dramatique, sans parler de la situation à Barcelone, qui est encore plus dramatique, du fait à la fois d'une mauvaise gestion des ressources, d'une incapacité d'anticipation des événements. Là, on a un exemple très concret de comment, au moins depuis trois décennies et sans doute une ou deux décennies supplémentaires, on pourra, au niveau de l'agglomération toulonnaise, pouvoir gérer ce phénomène-là, en sachant que ce sont les eaux de la Durance et du Verdon qui servent à nous alimenter et que tout va dépendre du niveau d'enneigement dans les Alpes du Sud qui, malheureusement, n'est pas assuré. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous, alors pas l'été dernier, mais l'été 2022, je pense, ont pu circuler dans les Alpes du Sud et monter du côté de Serpenson, Saint-Laurent-des-Alpes, au-dessus de Castellane, et le lac s'était complètement rétréci, et l'eau, il fallait marcher au moins 300 ou 400 mètres dans de la vase avant d'atteindre l'eau. C'est malheureusement un spectacle qui risque de se reproduire assez régulièrement. Autrement, un autre phénomène climatique qui risque d'impacter évidemment la zone, c'est les risques d'incendie qui vont s'accroître du fait des canicules à répétition et de la baisse du niveau de la pluie. Donc là, on peut estimer, là aussi le département du Var, entre guillemets, alors en plus au niveau de l'eau, il faut symboliquement parlant, département du Var porte le nom d'un fleuve qui ne coule pas dans le Var. On peut penser que les autorités auraient pu, voici quelques années, peut-être changer de nom et prendre le nom de Verdon plutôt que de département du Var qui coule dans le département d'à côté. Quelque chose, il y a une symbolique au niveau de la gestion de l'eau qui est assez intéressante à souligner. Pour en revenir au problème donc des incendies, donc le Conseil général du Var, depuis de longues années, comme celui du Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes ont beaucoup investi dans des moyens de lutte contre les incendies, ce qui fait que ces dernières années, on a eu la chance, grâce à une politique de prévention et de moyens relativement importants, des moyens quasi militaires de grande ampleur, réduire très significativement l'impact des incendies, quand on voit ce qui s'est passé par exemple dans les Landes il y a deux étés de cela, qui était absolument dévastateur. Donc là, le département aussi a réussi, s'est mis en ordre de bataille pour faire face aux défis majeurs qui nous attendent dans ce registre-là. Et donc, chaque été, néanmoins, c'est un peu l'héros des trucs, on retente notre chance en espérant que ça passe et qu'il n'y ait pas trop de conséquences dramatiques. Avec, malheureusement, une petite inquiétude qui se profile, sachant que les services départementaux reposent sur un corps de pompiers professionnels et de pompiers volontaires, qui est un bel exemple de solidarité, de citoyenneté, d'engagement civique. Et là, il s'avère que vous avez des directives européennes en préparation au niveau de Bruxelles qui cherchent impérativement à remettre en cause cette notion de bénévolat et d'engagement, considérant qu'on peut être pompier volontaire à 16 ans, donc c'est du travail... On considère que c'est du travail d'enfant, c'est l'exploitation d'enfants, entre guillemets. Donc il y a une volonté d'imposer un certain nombre de réglementations faisant en sorte que, par exemple, les gardes doivent être surpayées, beaucoup plus payées qu'elles ne le sont actuellement, ce qui fait que l'économie générale de l'organisation qui fonctionne bien des pompiers volontaires risque d'être mise en cause à terme du fait de cette... inflation normative et réglementaire. Et on peut se demander, vous allez me dire que je cherche le diable dans le moindre détail et que j'ai, mauvaise analyse, mais on peut se demander si du fait que le changement climatique va faire qu'il va y avoir de plus en plus d'incendies, que ça va être une véritable...
industrie que de lutter contre ces incendies. Il n'y a pas une volonté de fissurer le dispositif actuel reposant sur le bénévolat, l'engagement civique de jeunes citoyens au profit de sociétés spécialisées privées qui donc passeront des contrats avec les autorités locales pour assurer ces fonctions de lutte contre l'incendie à côté des fonctions régaliennes qui sont actuellement effectuées par les services d'incendie départementaux. Donc on voit poindre ce genre de situation aux États-Unis, en Californie, où il y a eu des grands incendies qui ont frappé cet état de l'Union ces dernières années. Et je ne sais pas si vous avez suivi avec une grande attention le déroulement de ces catastrophes, mais à plusieurs reprises, il y a eu de grands incendies donc, qui ont frappé des coins de Californie. Et un certain nombre de personnalités, je pense en particulier à la famille Kardashian, bien connue par ailleurs pour ses activités de streaming et de télé-réalité, avaient payé directement des services de lutte contre l'incendie privé pour préserver leur emprise territoriale, leur résidence secondaire, au détriment, disons, de leurs voisins qui se voyaient privés de moyens de lutte contre l'incendie qui étaient prioritairement engagés pour préserver la propriété des Kardashians au détriment des autres. Il faut être assez vigilant pour que ce genre de mécanisme et de mentalité n'arrive pas en Europe. Donc je continue très rapidement, parce que j'en file. Et le dernier facteur un petit peu d'impact climatique qui pourrait toucher notre zone, c'est bien entendu l'élévation du niveau de la mer, du fait du réchauffement climatique. Alors là aussi, il y a beaucoup d'études qui ont été lancées. On estime que le taux d'élévation sur la côte varoise depuis 1992, d'après les études qui ont été entreprises, c'est élevé de 2 à 3 mm par an depuis donc une trentaine d'années, et qu'à terme, à échéance 2050, on pourrait arriver grosso modo à une hausse de l'élévation de 40 à 60 cm. Alors pour les habitués du fond d'Arras d'hier qui ont l'habitude de se balader du côté de la Longue Les Morts à nouveau, vous avez pu voir que le sentier littoral ces dernières années a été fortement réduit. On peut penser que du côté de Fréjus et de Saint-Raphaël, vous avez le delta de l'Argens, là aussi il y aurait des zones qui subiraient pas mal de dégâts. Bon, sachant que le Var et les Alpes-Maritimes devraient être moins impactés que d'autres départements méditerranéens, je pense à tous ceux de la bordure du golfe du Lion, que ce soit les Raux ou l'Aude, et les Pyrénées-Orientales à nouveau, qui ont un littoral extrêmement bas et qui devraient être fortement impactés par le niveau d'élévation de la mer. Voilà. Quelques éléments donc, pour vous montrer l'impact au niveau local donc, des changements climatiques et globalement des dérèglements planétaires qui se profilent. Alors, ces changements vont avoir un certain nombre d'impacts humains. Alors, là, je repars un peu au niveau global, entre guillemets. On constate donc des alertes croissantes concernant l'habitabilité de la planète du fait de ces dérèglements climatiques, avec en particulier la notion de température du thermomètre mouillé qui combine à la fois une élévation de la température et une élévation du taux d'humidité qui fait que dans certaines zones, une température élevée, c'est-à-dire à plus de 40 degrés et avec un taux d'humidité à plus de 95 degrés, physiologiquement parlant, l'individu, l'être humain ne résiste pas à ces conditions-là. Et ce sont des cas de figure donc, qui sont exceptionnels, qui commencent à apparaître dans certaines régions de l'Inde ou au Moyen-Orient et qui devraient se développer dans une certaine partie de l'Afrique de l'Est au cours des prochaines décennies. Donc on peut tabler sur une capacité d'adaptation de l'être humain à ces nouvelles ce nouvel environnement climatique et physiologique, mais en tout cas pour quelques décennies, certaines zones donc, vont être quasiment beaucoup moins hospitalières et cela va sans doute générer donc, des flux migratoires de populations vivant dans ces zones qui vont bouger, bien entendu. Un autre point
avec un fort impact économique, c'est que la fréquence des événements naturels, que ce soit des canicules, que ce soit des incendies, que ce soit des tempêtes, des ouragans, des inondations, etc., est en train de faire qu'un certain nombre de compagnies d'assurance refusent d'assurer maintenant ce genre d'événement. Et alors ça ne touche pas des États. Alors, on a déjà en France même un certain nombre de communes qui ont de plus en plus de difficultés à trouver des assureurs pour faire face à ces situations de catastrophes naturelles. Mais ça commence à toucher même des particuliers, que ce soit en Australie ou en Californie, un certain nombre de compagnies d'assurance normales refusent d'assurer certains de leurs adhérents, refusent d'assurer leurs actifs, jugeant qu'ils sont trop exposés à ces phénomènes climatiques. Et voilà. D'un autre côté, évidemment, les sociétés d'assurance ont tendance à augmenter leurs tarifs pour les biens qui peuvent être encore assurés, ce qui fait qu'un certain nombre d'assurés potentiels n'auront plus les moyens de payer des polices d'assurance pour couvrir les risques concernant leurs actifs. On voit ce genre de phénomène déjà se produire dans certains de nos territoires d'outre-mer. Par exemple, dernier cyclone qui a frappé la Réunion il y a quelques mois, pratiquement un tiers des personnes qui ont été touchées par le cyclone n'étaient pas assurées, donc ça pose des problèmes. Un tiers de la population, alors c'est quand même quelques milliers de personnes, une problématique au minimum sociale qui se profile. Et il faut s'attendre à ce que le phénomène prenne de plus en plus d'ampleur. On rappellera que la notion d'assurabilité ou d'assurance est un phénomène spécifiquement occidental, lié un peu au développement, au génie occidental et à l'expansion occidentale à travers la planète, qu'à l'origine, donc, c'est un phénomène qui est apparu à la fin du Moyen-Âge en Italie de la part d'armateurs génois ou vénitiens qui ont cherché à mutualiser les risques par rapport aux expéditions qu'ils envoyaient, et que progressivement, cette notion d'assurabilité, c'est diffusé dans l'ensemble de la société. Mais par exemple, dans beaucoup de pays africains, quasiment personne n'est assuré, et on va tendre vers une société un peu à deux vitesses, sans doute, dans ce registre de l'assurance, entre ceux qui auront les moyens de s'assurer et ceux qui ne le seront plus, mais qui seront assez fortement impactés. Ces changements climatiques vont donc générer toute une série de tensions géopolitiques sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus loin. Mais par exemple, l'élévation du niveau de la mer va faire disparaître un certain nombre d'États insulaires. Alors tant que c'est Nauru, c'est 8000 habitants, ça ne pose pas trop de problèmes. Ça sera gérable par l'Australie. Mais quand cela va impacter les États de grands fleuves du golfe du Bengale, avec une population, une densité de population de plusieurs milliers d'habitants au kilomètre carré au Bangladesh ou en Inde, vous imaginez un peu que là, ça va générer des dizaines de millions, voire des centaines de millions de réfugiés climatiques. On estime, d'après les travaux de la Banque mondiale, qu'à peu près, il faudra gérer à peu près 260 millions de réfugiés climatiques à l'horizon 2030, c'est-à-dire dans 6 ans, et que ce chiffre pourrait passer à 1,2 milliard à l'horizon 2050. Donc les problématiques de migration ont été évoquées dans le débat politique français sont totalement sous-dimensionnées par rapport à l'ampleur effective du phénomène qui va arriver au cours des prochaines décennies. On peut penser que l'impact de ces changements planétaires va également donner lieu à l'apparition d'antagonismes sociétaux d'un nouveau genre, avec une critique croissante contre le système socio-économique capitaliste, productiviste, consumériste dans lequel nous baignons depuis plusieurs décennies. Alors il n'y aura sans doute pas un grand soir, mais on se peut très bien qu'il y ait un grand blackout, un de ces quatre, avec un dysfonctionnement du système nécessitant donc de réfléchir à de nouvelles formes d'organisation au niveau de la vie socio-économique et également au niveau de la vie politique. Donc il y a de plus en plus une remise en cause de l'utilité de la notion de croissance économique. Il y a un débat sur la décroissance, à ne pas confondre avec la récession. Donc la décroissance, ça peut être un phénomène qui peut être accompagné, planifié et réfléchi et qui peut être beaucoup moins douloureux qu'on peut le penser. Donc je vous renvoie là aux travaux de Timothée Paris, qui est un économiste qui a fait une thèse sur la décroissance et qui pourrait être là aussi un intervenant de grande qualité pour l'année prochaine. Il y a de plus en plus de débats sur la pertinence de la notion de PIB par rapport au contexte général évoqué. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres indicateurs, enfin, même si c'est un indicateur. Le problème, c'est que le PIB, donc, c'est quelque chose qui a été conçu par les économistes dans les années 30,
À l'origine, c'est un indicateur, mais c'est devenu, la croissance du PIB est devenue une fin en soi. Donc il y a une espèce de dérivation un peu problématique, et on peut imaginer d'autres types d'indicateurs permettant de vraiment prendre en compte la recherche de la prospérité, d'une certaine stabilité, d'un certain bien-être, mais en tenant compte de l'impact négatif que cela peut avoir sur l'environnement, et imaginer d'autres solutions que toujours plus de croissance. Je vous rappelle, pour ceux qui appréciaient l'économiste Bernard Marie, là, qui a été assassiné dans les locaux de la chaîne Hebdo et qui tenait une chronique régulière sur France Inter le samedi matin, pour ceux qui connaissaient le siècle d'avant, il évoquait souvent l'absurdité du calcul du PIB en estimant que lorsque vous étiez bloqué dans un embouteillage avec votre voiture sur un périphérique parisien vendredi soir et que vous avancez à 2 à l'heure en faisant tourner votre moteur, vous génériez de la croissance du fait que vous consommiez de l'énergie. Et voilà. Donc ce sont des chiffres un peu absurdes. D'autres économistes vont valoir qu'en cas d'accident de circulation, vous générez du PIB du fait du remplacement des véhicules, d'intervention des garagistes, des dépanneuses, des services de santé, etc. Enfin bon, c'est un peu tout le monde, quoi. Alors cette remise en cause donc, d'un certain nombre de fondamentaux de l'économie, du système socio-économique dans lequel nous évoluons, peut également donner lieu à ce que j'appellerais un étiolement du contrat social, en particulier de la part des nouvelles générations qui sont de plus en plus réticentes, disons, à suivre les traces laissées par leurs parents et par leurs aïeux, et une montée de l'éco-anxiété dans ces nouvelles générations, et pas que dans ces nouvelles générations, ce sujet. On assiste quand même à des phénomènes comme la grande démission. Vous avez tous entendu parler d'un certain nombre de diplômés de grandes écoles qui ont refusé, qui ont fait une espèce d'esclandre au moment de la remise de leur diplôme et qui ont refusé de s'engager dans les grandes entreprises qui venaient les recruter pour opter pour la permaculture au fin fond de l'Indre-et-Loire, des choses comme ça, avec des choix donc assez radicaux. Il y a également le développement du quiet quitting de ces entreprises qui consiste à faire le strict minimum de ce qui est demandé sans prendre d'initiative et sans faire plus. Donc il y a ce qui est illustratif d'un refus entre guillemets de la performance et des règles de la vie en entreprise. Il y a une remise en cause de la notion d'entreprise comme unité sociale de base dans nos sociétés développées. On voit monter donc des limites croissantes également qui sont soulignées avec le débat sur les ultra ou les hyper riches, la déclaration d'une députée de la France Insoumise qui disait qu'il ne fallait pas laisser les riches vivre au-dessus de nos moyens, c'est-à-dire leur capacité à se déplacer en hélicoptère ou en avion privé, à jouer au golf sous toutes les latitudes, alors que pour d'autres, il fallait faire montrer beaucoup d'efforts. On assiste également à une radicalité des comportements de la part de ces jeunes générations par rapport à certains de projets de développement. Rappelez-vous la ZAD du côté de Nantes concernant le projet d'aéroport. Actuellement, il y a le débat sur l'A69 du côté de Toulouse et de Castres, et on voit de plus en plus apparaître. Il y a la bataille sur les méga-bassines dans l'ouest de la France, par exemple. Et voilà. Ce qui fait que donc il y a toute une problématique actuellement concernant l'arbitrage entre la fin du mois et la fin du monde, en sachant qu'il se peut très bien que la fin du monde règle assez rapidement le problème de fin du mois. Ceci dit, il est impératif de trouver des modèles régulateurs alternatifs et l'espèce de... Bon, j'aime pas trop le terme d'effondrement ou de collapsing, ou de collapsologue là, qui sont évoqués. Je pense que c'est plutôt un basculement et que l'évolution tirée des limites du système qui ne pourra que évoluer et que changer nécessite quand même donc de réfléchir dans un déjà à des solutions alternatives, à des plans B par rapport à l'organisation socio-économique dans laquelle nous évoluons. Donc cela reposera sans doute par des efforts en matière de sobriété ou de frugalité, en matière de souveraineté, en matière de
d'économie circulaire, en matière de ce qu'on appelle hipster économie, c'est-à-dire des économies reposant sur une structure quasi villageoise ou de quartier avec des circuits très courts, exploitant également tout ce qui est low-tech. À ce sujet, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, mais je vous conseille vivement, sur Arte, vous avez un documentaire qui s'appelle l'expérience biosphère au Mexique. C'est sur deux jeunes gens spécialisés des low-tech qui ont passé 60 jours dans un des déserts mexicains les plus arides avec des low-tech extrêmement basiques qu'ils avaient fabriqués eux-mêmes pour tenter de vivre de manière quasiment autonome en termes d'eau, d'alimentation, de fabrication d'énergie, de choses comme ça. Donc l'expérience est assez intéressante et surtout il y a 6 ou 16 autres reportages précédents qui expliquent pour chacun des secteurs, alimentation, production d'eau, etc., comment ils comptaient survivre, surmonter leur expérience au Mexique. Et donc tout ça repose sur des technologies low-tech qui permettent quand même, qui laissent un certain nombre d'espoir. Et voilà, donc se tourner vers les questions de durabilité sur le low-tech, sur encourager tous les processus régénératifs au niveau de l'agriculture, au niveau des ressources en eau, des choses comme ça. Et envisager des nouveaux modes de gouvernance. Et avec possiblement des innovations démocratiques, je pense en particulier aux projets ou aux tentatives de conférences citoyennes qui ont eu lieu, en particulier la toute première là, sur les questions d'environnement, qui était extrêmement prometteuse, qui avait un programme avec 100 propositions qui allaient sûrement dans le bon sens, mais qui ont été totalement torpillées par les différents lobbies industriels qui se sont activés pour finalement, je crois qu'il n'y en a que 4 qui ont été mises en œuvre sur les 100 qui avait été présenté. Et tout ça induit également une formation, enfin une remise en cause de la formation des élites dirigeantes, étant donné que par rapport aux défis d'avenir qui vont être de plus en plus techniques, environnementaux, nécessitant une culture scientifique réelle, il faudra sans doute envisager de se départir un peu de l'omnipotence de la formation des énarques, des gens formés essentiellement sur des sciences de gestion, des sciences humaine pour avoir des ingénieurs capables de comprendre vraiment les enjeux énergétiques, environnementaux. Alors, à nouveau, petit zoom sur la situation locale par rapport à ces questions de tenter d'imaginer, de trouver des modèles régulateurs alternatifs. On a quelques exemples qui peuvent venir à l'esprit. Le premier, en parlant de l'économie, la hipster économie, un des domaines dans lequel cela se manifeste le plus, c'est la production de bières artisanales par rapport aux grandes entreprises du secteur agro-industriel. Et là, au niveau toulonnais, on a un cas absolument flagrant et magistral, qui est le bras de fer engagé par la brasserie de la Rade contre le géant Heineken concernant la bière de la Sardine, qui est commercialisée maintenant sous l'appellation de bière censurée, étant donné que Heineken était propriétaire de du registre commercial La Sardine et refusait que cette petite brasserie artisanale qui pèse strictement rien et qui vend quelques milliers de bouteilles, puissent commercialiser, sachant que leur production, je ne sais pas si vous êtes des consommateurs des productions de bière de la Rade, mais donc vous avez la Sardine, vous avez la Dorade, vous avez... voilà, la Girelle, merci la salle, etc., etc. Et donc sur la Sardine, Heineken a bloqué, et plutôt que de tout abandonner, ils ont décidé de continuer à produire leur bière, ne pouvant pas l'appeler bière la Sardine, c'est bière censurée sur les étiquettes. Je vous invite vivement à vous en procurer pour soutenir cette initiative. Une autre initiative qui peut être évoquée également en matière d'économie circulaire et d'utilisation, d'optimisation des ressources, c'est une association qui a été créée à Brignoles visant à la réutilisation du verre, consigne de Provence. Donc là, au début, ça part d'un bon sentiment, mais avec un impact économique très important pour les producteurs du vignoble varois, étant donné que les bouteilles en verre constituent, dans le contexte actuel lié à la guerre en Ukraine, un renchérissement du prix des matières premières,
un enjeu absolument crucial. Et voilà, donc là, c'est une autre initiative visant donc à réutiliser des matières qui existent déjà. Et un troisième point également d'utilisation, c'est quelque chose qui est relativement peu, me semble-t-il, peu connu, alors que ça mériterait de l'être, c'est que vous avez tous entendu parler des AMAP, c'est-à-dire les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. On peut penser que c'est une initiative créée par quelques agriculteurs bretons militants ou quelques militants associatifs du sud-ouest de la France, alors que la toute première AMAP a été créée à 6 ou 7 km à vol d'oiseau d'ici, du côté d'Olioul, dans la ferme des Olivates, au tout début des années 2000. Donc là aussi, quelque part, la métropole toulonnaise a montré un peu l'exemple pour se projeter dans un certain futur, en l'occurrence alternatif. Voilà. Alors, je voudrais aborder très rapidement le deuxième point, là, parce que le temps file. Donc, il y a de nouveaux équilibres démographiques. Bon, là, sachant que là, on peut avoir de relativement bonnes nouvelles, étant donné que, comme vous le savez, nous avons franchi le seuil des 8 milliards d'habitants l'année dernière, et que, selon toute vraisemblance, contrairement à certaines prévisions un peu apocalyptiques, la croissance humaine devrait se stabiliser à l'horizon des années 2080 autour de 10,4 milliards d'habitants sur notre planète, du fait d'une réduction assez significative du taux de fécondité, en grande partie liée à l'évolution des pratiques des jeunes filles en matière de contraception et une meilleure éducation des jeunes filles. Cela va donner lieu à un nouveau contexte démographique avec une poussée de l'Asie du Sud et du continent africain. Cela va entraîner, par effet induit, une modification de la scène religieuse. Je n'ai pas le temps, malheureusement, d'insister dessus, mais il faut garder en tête que l'islam devrait devenir la première religion au monde à l'horizon 2070, avec en parallèle une chute assez significative du christianisme, en particulier en Europe. Et si le christianisme doit se maintenir, ces gros bataillons seront essentiellement implantés dans le sud, c'est-à-dire en Amérique latine, ou en Afrique, et on va assister à une espèce d'africanisation des religions chrétiennes, par exemple. Une des grandes tendances qui vont se dérouler également, c'est un vieillissement de la population humaine qu'il va falloir anticiper, avec des conséquences socio-économiques relativement fortes au niveau économique, au niveau médical. Donc je n'insiste pas dessus, en insistant juste sur le dernier point qui est le phénomène de rétractation démographique de l'Occident, qui ne pèse plus actuellement que 12% de la population mondiale et qui devrait sans doute passer sous les 10, voire arriver jusqu'à 8% à l'horizon 2050. Et quelque part, donc, on va assister, alors que la population d'Afrique subsaharienne va quasiment doubler et s'élever à plus de 2,2 milliards d'habitants à l'horizon 2050, en Europe, on aura une population d'à peu près 400 millions d'habitants, 450, avec une moyenne d'âge au-dessus de 45 ans, alors qu'en Afrique, la moyenne d'âge sera inférieure à 20 ans, ce qui va poser un certain nombre d'appels d'air sur toute vraisemblance. Pour faire face à cette rétractation démographique, eh bien, il y a deux solutions. Soit tenter de favoriser une relance de la natalité au sein de l'Union européenne, sachant qu'en France, on est les moins mal lotis par rapport à certains de nos partenaires, que certains pays ont des taux à peine de 1,1 ou 1,2, alors que nous, on est à 1,8 et qu'on peut espérer refranchir le seuil des 2 ou des 2,1. La situation catastrophique de certains de nos partenaires est vraiment problématique, surtout dans les pays d'Europe de l'Est, du bassin méditerranéen, comme l'Espagne ou l'Italie, qui est particulièrement affectée. Et la situation est vraiment catastrophique dans des pays comme l'Albanie ou l'Estonie, par exemple. Et cela nécessite d'appréhender, donc, si possible, sereinement, le débat sur l'immigration, qui est actuellement le principal facteur d'accroissement de la population européenne et qui risque de l'être encore plus au cours des prochaines années, avec le besoin de satisfaire, la nécessité de satisfaire des besoins dans le secteur de l'économie,
il faudra des bras pour travailler, et y compris par exemple dans le secteur de la défense où on risque d'être confronté à une pénurie de jeunes guerriers, de jeunes guerrières, être capable d'avoir suffisamment de conditions physiques pour faire face aux tâches imparties en fonction de défense, et cela nécessite sans doute de se tourner vers des populations d'origine immigrée. Je vous montre là cette courbe assez intéressante pour signifier que donc il aura fallu attendre le début du 19e siècle pour franchir le seuil du milliard d'habitants. Il aura fallu attendre à peu près 120 ans pour doubler la population. Et après, ça s'en va. Et vous voyez qu'à partir de 5 milliards d'habitants, il faut à peine une dizaine d'années, entre 10 et 12 ans, pour atteindre 1 milliard supplémentaire. Donc une accélération à partir de la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui, grosso modo. Les prévisions, donc, c'est tiré des chiffres des Nations Unies qui ont des capacités en matière de prospectives démographiques qui sont assez développées et les chiffres sont relativement fiables. Vous voyez qu'à partir donc de 2022, on reprend un peu plus de temps. Il faudra une quinzaine d'années pour passer de 8 à 9 milliards d'habitants et pour arriver à une espèce de stabilisation aux alentours de 2086. Là, je vous montre rapidement donc un schéma montrant un peu la répartition par continent actuellement. Vous voyez que notre pays il faut être un peu conscient de cette évolution du rapport de force. Et là, un petit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, ce sont les 15 pays peuplés au monde depuis 1950 jusqu'à 2100, avec une rétractation et une sortie des différents pays européens au fil du temps. Voilà. Donc, au niveau local, l'évolution démographique du département du Var, de la métropole, va suivre celui de notre pays, c'est-à-dire on va continuer à progresser tranquillement. Je pense que d'après les études de l'INSEE sur les perspectives démographiques, au niveau français, on devrait atteindre notre maximum autour de 68 ou 69 millions d'habitants. Je pense qu'avec des mesures à la fois en matière migratoire et en matière de relance de la natalité, on pourrait assez facilement arriver jusqu'à 75 millions d'habitants, mais on n'ira pas au-dessus. 75 millions, ça nous permettrait vraiment d'imposer notre leadership au niveau de l'Union européenne face aux Allemands qui sont en déclin démographique, et ça pourrait être une solution relativement intéressante pour peu qu'on se donne les moyens politiques d'atteindre cet objectif. Et donc, au niveau démographique, la région PACA devrait continuer à progresser démographiquement, mais sur une toute petite base, ils ont en 2070, vous voyez, 0,05% d'augmentation de la population, ce qui fera une population autour de 5,5 millions d'habitants à l'horizon 2070. Et pour le département du Var, donc, on a franchi le seuil du million d'habitants à peu près. Et au cours des prochaines décennies, on devrait sans doute dépasser la population des Alpes-Maritimes, sachant que le département du Var a le taux de croissance le plus important au niveau de la région PACA, essentiellement par l'arrivée de personnes souvent âgées cherchant le soleil et la tranquillité et profiter de nos belles régions, de nos belles côtes, tant qu'il y a des côtes. Voilà. J'ai encore le temps. Juste insister sur un autre point donc, qui est la révolution techno-énergétique qui se profile, sachant qu'il est impératif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de manière très significative et de sortir donc d'une économie carbonée au profit d'une économie électrique en modifiant ce qu'on appelle le mix énergétique. Le problème, c'est qu'il va falloir donc substituer aux hydrocarbures, c'est-à-dire à des énergies fossiles qui sont bon marché, qui ont un très bon rapport, des rendements énergétiques très élevés, qui sont généralement facilement accessibles, mais qui sont très polluantes, d'où le problème des gaz à effet de serre, par des sources d'énergie moins émettrices en gaz à effet de serre, censées être plus propres,
mais ayant des rendements énergétiques moindres et surtout ayant chacune des problèmes, étant confrontées à des problèmes de fonctionnement. Par exemple, dans le cas de l'hydroélectricité, qui est l'énergie la plus propre qui soit et qui est sans doute la solution la plus vertueuse, bon, le problème, c'est que pratiquement tous les sites ont été équipés, donc il n'y a pas véritablement de progrès à envisager significativement pour répondre aux besoins énergétiques des sociétés humaines, et que, à contrario, en plus, du fait du réchauffement climatique et de la baisse des précipitations, le niveau des eaux dans beaucoup de barrages et beaucoup de bassins fluviaux et de beaucoup de fleuves va décliner. Donc la production d'hydroélectricité voilà, selon toute vraisemblance, décliner au cours des prochaines décennies. Pour le solaire, pour l'éolien, donc là aussi, ce sont des énergies dites propres. Mais le problème du solaire, c'est que par définition, ça ne fonctionne que la moitié de la journée, au mieux. Et pour l'éolien, on peut être confronté à des périodes où il n'y a pratiquement pas de vent. Donc ce sont des énergies dites non pilotables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas fonctionner 24 heures sur 24. Alors c'est l'avantage du nucléaire, mais le nucléaire a d'autres inconvénients. La question des déchets, le fait qu'il faut quand même construire des infrastructures assez conséquentes, il faut consommer du pétrole, il faut aller chercher des minerais. Et le gros problème général de ces énergies dites propres, dites vertes, nécessite donc de recourir à des minerais dits critiques, comme du nickel, comme du lithium, comme du cuivre, comme du cobalt, comme des choses comme ça, et il faut bien aller les extraire. Donc en fin de compte, elles n'ont rien de très 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 propre, hormis leur mode de fonctionnement une fois qu'elles sont fabriquées, mais pour les fabriquer en matière d'extraction et de fabrication, c'est quelque chose, ce sont des énergies qui sont qui nécessitent un investissement énergétique très fort et qui ont des effets environnementaux qui sont assez négatifs. Par exemple, au cours des prochaines années, dans le cadre de l'électrification de la mobilité et des véhicules électriques, on vend comme une solution propre, verte, etc. Bon, ces véhicules fonctionnent avec des batteries et ces batteries nécessitent une quantité astronomique de minerais dits critiques, donc du lithium, du cobalt et des choses comme ça, dont la consommation va littéralement exploser. Là, je vous montre un schéma qui est tiré d'un document de l'Agence internationale de l'énergie. Ce qui est intéressant, donc, c'est ce schéma-là, où c'est à l'horizon 2040. Vous voyez que pour satisfaire les besoins en fabrication de batteries uniquement pour les véhicules électriques, hein, il va falloir augmenter cela va baisser de multiplier par 7 la consommation de terres rares, qui n'ont rien de rare, voilà, par 19 la consommation de nickel, 21 celle de cobalt, 25 celle de graphite, et 42 multiplié par 42 la production de lithium par rapport à celle de 2020, ce qui signifie très concrètement en termes d'extraction, au niveau des sites miniers, en matière de transformation, en matière d'acheminement du lithium qui sera produit dans les Andes ou en Afrique sur le continent européen. Il faudra une foultitude de navires qui vont fonctionner avec de l'énergie, etc. Ce qui fait que on devrait en théorie donc exploiter de plus en plus ces ressources minières, mais cela va nécessiter une consommation d'hydrocarbures relativement importante, puisque les navires minéraliers qui vont acheminer du nickel, du Nouvelle-Calédonie, du lithium, du Chili vers les ports européens, ils vont fonctionner quand même essentiellement avec une propulsion traditionnelle, même si dans le transport maritime on peut envisager certaines évolutions. Mais le passage à des énergies vertes ne va sans doute pas avoir un impact très positif sur les conditions environnementales que j'ai évoquées, et que la seule solution, c'est réduire significativement notre consommation, c'est aller vers plus de sobriété, voire de frugalité. Un autre point également problématique, c'est que dans le secteur d'hydrocarbures, nous sommes dépendants de quelques producteurs, en particulier en Orient. Et que dans le cas donc de ces minerais critiques, on va subir une dépendance croissante vis-à-vis de la Chine. Alors, il y a des
tentatives pour trouver des solutions alternatives, mieux exploiter les ressources en Europe, mais ça pose problème. Je vous renvoie à la polémique là, concernant le projet de mine de lithium dans l'Allier, il me semble, dans le centre de la France. Il y a un autre projet de grande mine en Scandinavie, mais il faudra à peu près, du fait des règlements environnementaux qui devront être satisfaits, à peu près une quinzaine d'années avant que l'entrée en exploitation se produise. Ce qui fait que la tentation sera toujours plus de recourir à des importations en provenance de Chine ou de pays producteurs dans le sud du monde. Là, sur ce schéma, je vous montre donc l'extrême dépendance vis-à-vis de la Chine. Alors, malheureusement, du fait de la qualité de l'écran, on ne voit pas les couleurs, je suis un peu désolé, mais normalement, s'il y avait des vraies couleurs, vous verriez énormément de rouge symbolisant l'impact de la Chine à la fois en termes de production et surtout en termes de raffinage, parce que la Chine exploite son potentiel, dispose d'importantes ressources, mais surtout a su mettre en œuvre une politique industrielle et minière d'investissement à l'étranger. Et donc elle contrôle énormément de mines en Afrique, en Amérique latine. Les productions partent en Chine et les minerais bruts sont transformés en Chine, dans des usines chinoises, pour ensuite être vendus à des industriels européens. Donc on a une très très forte dépendance vis-à-vis de la Chine qu'il conviendrait de lever et qui nous place dans une situation géopolitique assez compliquée. Et à terme, donc, afin de se départir, de se libérer de cette dépendance de la Chine, donc, il y a une volonté d'explorer de nouveaux territoires qui commencent à devenir exploitables du fait de l'impact du changement climatique. Et donc, on voit apparaître des nouveaux territoires peu exploités jusqu'à présent. Je pense en particulier au Groenland, du fait de la rétractation de la banquise qui ouvre les possibilités minières avec tous les impacts environnementaux. C'est une espèce de cercle vicieux là, qui se met en branle. On peut penser également à tout ce qui est situé dans les régions polaires et boréales au Canada ou en Russie. On peut penser qu'à terme, l'Antarctique risque également d'y passer. Ce sera une course aux ressources minières en Antarctique, mais ça sera en 2040, 2050, 2060. Et enfin, il y a cette problématique des grands fonds marins que j'ai évoqué tantôt, cette tentation d'exploiter les fameux nodules polymétalliques avec des conséquences environnementales très très fortes. Hormis donc cette transition entre les énergies carbonées l'économie électrique, entre guillemets, il y a toute une série de technologies dans lesquelles il va falloir se positionner pour tenter de poser sur le monde à venir. Donc c'est tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle, même si le terme peut donner lieu à débat, mieux vaudrait peut-être parler d'intelligence améliorée qu'artificielle, parce que en fin de compte, les systèmes comme ChatGPT ne sont pas très très intelligents, ont encore des taux d'erreur très très élevés. Mais bon, enfin, il y a des progrès assez considérables qui se produisent. Il y a donc des révolutions qui vont se produire dans le domaine des microprocesseurs. Et là, actuellement, il y a un bras de fer technologique entre Chinois et Américains qui va sans doute fortement configurer les rapports de force à l'horizon 2030. Il y a un grand domaine scientifique qui est l'informatique quantique, où là, à l'horizon 2030-2035, on devrait vraiment assister à un saut qualitatif et la mise en œuvre d'ordinateurs donc, extrêmement puissants permettant de faire de la modélisation dans beaucoup de domaines et donner lieu à des avancées au niveau de la santé, dans les traitements de différentes maladies, en matière de climat, de météorologie, d'astrophysique et de beaucoup de choses. Au niveau de l'atome, à partir de 2030-2035, à nouveau la région va jouer un rôle un peu moteur avec l'entrée en service de l'ITER à Cadarache, avec de nombreuses années de retard. Normalement, le système devait entrer en service en 2018 et on pense qu'il devrait rentrer enfin en service en 2030, avec là sans doute toute une série de grandes expérimentations et de très grandes avancées scientifiques sur la période 2030-2035, en sachant qu'au niveau de la fusion nucléaire, ça sera toujours
dans le registre expérimental, ce sera toujours des scientifiques qui seront aux commandes, et là, il faudra encore une quinzaine, une vingtaine d'années pour que ce soit des ingénieurs qui maîtrisent vraiment les process et que l'on réussisse à produire sur une base industrielle, opérationnelle, quotidienne et rentable d'électricité à partir de ces phénomènes de fusion nucléaire. Ce qui fait que certains pensent que ça ne fonctionnera qu'en 2070. Quelqu'un comme Jean-Marc Giavonici, qui est un grand spécialiste des questions énergétiques, lui parle de 2095, mais je pense qu'il a un petit biais contre la fusion nucléaire. Certains évoquent 2070, 2060, mais ça ne sera sans doute pas avant. Et voilà. Par contre, une fois que ça marchera, il y aura un changement radical de paradigme et une bonne partie des problématiques énergétiques de l'humanité devraient être résolues, sachant que ça fonctionne sans déchets, sans risque d'accident vraiment grave et à base essentiellement d'éthérium. J'ai un truc de mémoire, mais enfin des choses qu'on trouve dans l'eau, enfin des sources d'approvisionnement qui sont quasi inépuisables sur notre planète. Voilà. On peut évoquer également tout ce qui a trait aux neurosciences, la maîtrise du cerveau. Il y a un autre domaine également, et je voudrais le raccrocher également un peu à la réalité locale, c'est toute la conquête de l'ultra-profond et des abysses, qui ont donc un enjeu économique très important avec les nodules que j'ai évoqués, mais également avec le passage des câbles sous-marins qui permettent le fonctionnement d'Internet. Et là, la métropole toulonnaise a quelques atouts en main. Là aussi, il y a toute une histoire qui conviendrait de raconter. Je pense qu'on a raté quelques passages, sachant que la découverte, la création des scaphandres autonomes ont été faits par le commandant Cousteau et Taliez, pas très loin d'ici. Il y aurait toute une histoire à raconter. Que pour ceux, les habitués, les personnes qui ont l'habitude de se promener au Conseil d'administration et du CMN, nous avons un site, vous pouvez toujours nous déposer par. 4500 mètres de profondeur dans le Pacifique. Depuis lors, ça a été dépassé. Mais enfin, Toulon a eu une base historique, a joué un rôle important dans la pénétration des fonds marins. Pendant longtemps, la marine avait une unité spéciale qui était le GISMER, qui a été dissoute, je crois, dans les années 92-93, suite à un oukase, l'inspecteur des finances de Bercy, qui, comme à leur habitude, ont fait preuve grand sens d'anticipation par rapport à l'évolution de la planète, mais l'unité a été recréée il y a quelques années, je crois, et donc normalement les effectifs devraient doubler, et tout le monde devrait à nouveau disposer d'un savoir-faire, d'une expertise extrêmement variée, extrêmement pointue, pour partir à la conquête des fonds marins. Voilà. On pourrait également parler de tous les projets concernant l'espace extra-atmosphérique et la compétition.